La route du vallon de Bellevaux est toujours fermée. Il y a quand même un maximum de neige là. Je vais y aller à pied du coup. Me voilà arrivé au premier parking. C'est vrai qu'il y a pas mal de neige. Les poteaux là sont bien enfoncés. Je vais monter à droite vers Notre-Dame de Bellevaux. C'est pas très dur, puis je verrai après. Tiens, il y a du soleil. Voilà la chapelle de Bellevaux. J'aime bien cet endroit, c'est calme. Il y a une petite fontaine devant. On va voir si on peut entrer. La porte givrée de la chapelle était ouverte. On va pouvoir visiter. C'est pas très grand, mais c'est une jolie chapelle. Ici, c'est la source. Apparemment, ce serait là qu'un moine aurait vu la Vierge. L'histoire ne dit pas ce qu'il avait fumé. Et du coup, ils ont fini par construire une chapelle. C'est sur cette porte qu'un jour, un soldat allemand donna un coup de pioche devant la porte qui ne s'ouvrait pas. Le coup de pioche est toujours visible. La source coule toujours. Voici toute l'histoire de la chapelle.
Voilà, je vais quitter cette jolie chapelle pour monter un petit peu plus haut. Il y avait un petit village un peu plus haut, je vais aller voir. Me voici arrivé à l'ancien village de la chapelle. Là au-dessus, on voit la pointe des Ars. Nous voici arrivés, vous êtes à l'ancien village de la chapelle. Incendié, entièrement détruit, le 1er mai 1944 par les Allemands. Ces gens vivaient d'une petite agriculture, quelques vaches et des chèvres. Certains étaient charpentiers ou alpagistes. Ce sont eux qui construisaient les chalets d'alpage et les granges à foin. Dans les alpages, c'était vraiment les alpagistes, ceux qui restaient, tout l'été. Et les granges à foin, elles étaient construites pour mettre le foin qui foinait un peu en haute montagne pour le descendre dans les granges à foin qui étaient partout. Dans les alpages de l'Armenaz, de Bottier, dans toute la vallée de l'Arclusa. Pendant les quatre mois de belle saison l'été, les gens montaient leurs bêtes l'automne, au printemps ils coupaient déjà le bois pour faire donc ces chalets, ils commençaient à l'abattre et le descendaient, ils le pelaient sur place pour qu'il soit moins lourd. Le descendaient à coup de pic jusqu'à où il y avait un petit sentier ou une route et surtout l'hiver, il était traîné sur des traîneaux à la neige. Mais les gens de la chapelle, vraiment les gens de la chapelle, eux ne descendaient pas le bois. Ils le coupaient et c'était eux qui, à la hache, faisaient ou des pannes, ou des madriers, ou des chevrons pour pouvoir construire les chalets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 1er mai 44, à l'école et au village de la chapelle? Eh ben, le 1er mai 1944, les Allemands sont arrivés de bonne heure. Ils ont pris monsieur qui se trouvait en face de la mairie, vers sa maison. Ils l'ont pris comme un otage et se sont fait conduire à la maison forestière où se cachaient les armes et ils ont incendié. Ensuite, ils sont montés au sanctuaire de Bellevaux, et comme la porte ne voulait pas s'ouvrir, ils sont venus chercher une pioche dans le chalet voisin, et en donnant ce coup de pioche, la porte s'est ouverte. Et la pioche, ils l'ont jetée dans les ordures, en contrebas. Après, ils sont montés donc au village de la chapelle, et là-haut, en voyant qu'il y avait les gens qui habitaient l'hiver, se trouvant des assiettes, des bols, toute la vaisselle, et ils se sont cru que c'était là que se cachaient les maquis, et ils ont tout incendié. Le village anéanti complet, et même des granges qui se trouvaient au fond, dessous la vallée là-haut. Et juste à côté du hameau, bah, c'est l'abreuvoir du hameau de la chapelle, là. Qui a été rénové il y a 2-3 ans déjà. Que ce glouglou est apaisant. De la glace vive et bleue. Et au loin, j'entendais hurler les loups. Ils doivent être du côté de Chalet Bottier. Une belle avalanche. Qui
qui est descendu des grandes pentes herbeuses de la pointe des Arces. C'est impressionnant, c'est la première fois que j'en vois une ici. Enfin, de cette importance en tout cas. Voilà toute la face qui a été purgée. Ça a dû faire un sacré bruit quand c'est tombé l'avalanche là. C'est énorme le réservoir. Là c'est le Péclo. Et en face le Trello. Et au bout là-bas, bah tiens, c'est au-dessus de chez moi, le Roc des Bœufs. Et ben j'ai plus qu'à redescendre. Descente à travers l'avalanche. C'est vraiment énorme ce qui est tombé. Il y a quelques bouflons qui se promènent. Il y en a trois, mais ils ont guère envie de se montrer. Dommage, il y a un beau mâle là.